Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais juste vous demander un petit conseil, parce que comme vous me l'avez tellement demandé, Léo met un pot sur la moto, Léo met un pot sur la derby, vas-y quitte la main gros truc. Aujourd'hui je vais enfin mettre un pot sur la derby, mais j'ai un petit problème, c'est que je sais pas quel modèle prendre. Du coup là j'ai fait une petite sélection de modèles et je vais tout simplement vous demander de me dire dans les commentaires si celui-là est mieux que celui-là et pourquoi. Là j'en ai un, je vais vous le montrer, c'est un pot d'échappement du feu de Dieu. Il coûte cher mais à ce qui paraît c'est des bonnes perfs, c'est un bon son. C'est un rouge pour suivre avec la moto. Passage haut ou passage bas, ça je sais pas encore. Je sais pas c'est quoi la différence, le mieux et le moins mieux. Genre est-ce que c'est mieux un passage haut, est-ce que c'est mieux un passage bas et pourquoi. Genre est-ce que vraiment il y a plus de performance en haut qu'en bas et inversement. Avant que la vidéo commence aussi, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne. Si on peut faire péter les 60 000 abonnés avant la fin de l'année, ça va être un truc de fou. Merci à tous, 2021 s'annonce une très très grosse année et je l'espère pour vous aussi. Mettez un petit pouce bleu à la vidéo si je vois qu'il y a les quoi, 2000 petits pouces bleus. Je ressors une vidéo demain parce que voilà, c'est les vacances et j'ai le temps de vous sortir des vidéos. À venir sur Instagram parce qu'il y a toujours le concours pour gagner les AirPods et la GoPro. Je fais le tirage le 31. Du coup, pour ceux qui veulent participer, go 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 maintenant sur Insta. Il y a une paire d'AirPods et il y a une GoPro à gagner. Voilà, tout simplement. Je vous montre le pot et sur ce, bonne vidéo. Donc voilà les mecs, au niveau du pot, je pensais prendre ça. Donc c'est un pot d'échappement, passage haut, Rocky 5070 rouge derby pour moi. Du coup si quelqu'un a ça à vendre d'occasion dans le nord, qui est en état propre pour que j'évite de le payer 300 balles, n'hésitez pas à venir me contacter. Mais est-ce qu'il est bien? Franchement je pense que ça peut être un bon pot. Je crois que je l'avais filmé sur une MRT d'un abonné. Voilà, donc c'est en passage haut, ça passerait comme ça et hop, ça viendrait se caler sur ma derby. Et est-ce que je vais gagner des performances avec ça? Est-ce qu'il est bien tout simplement? Je vous attends en commentaire. Ou soit est-ce que c'est mieux de prendre un Léo Vince? Voilà. Le petit débat, soit Voca Rocky ou soit un Léo Vince, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres marques bien au niveau dépôt, parce que les KRM à ce qui paraît c'est pour les kits et tout. Et regardez comment elle est magnifique la cartouche. Bref, je vous attends en commentaire, bonne vidéo les mecs. C'est bon, ça tourne des petites secondes. Ouais, c'est bon. Carré. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Je suis en compagnie de Melvin et aujourd'hui on va vous présenter sa magnifique, si je me trompe pas, Ridju MRT Pro Trophy Racing Edition. Alors là les mecs, on n'est pas sur de la moto de Brel, on est sur une magnifique moto. Vraiment c'est la moto, je lui mets 10 sur 10, même 20 sur 10. Jante anodisée rouge, elle est magnifique comme ça. Fourche rouge, c'est magnifique. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre 3500 pouces bleus. Et il y a une nouvelle vidéo qui sort dans un jour. À suivre Melvin sur ses réseaux sociaux. Melvin.most. Ok, et ton snap Snapchat, si tu peux le donner. Melvin 1745. Voilà. 1745, voilà. N'hésitez pas à aller le suivre, tu mets des photos de la moto des fois. Voilà, du coup, si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à les voir. On a un beau A45 MG qui est venu. Ouais, ils sont venus, c'est la mienne. Ah, d'accord. Du coup, les mecs, on est sur une moto de 2020. Bah, 2020, tu l'as acheté il y a pas longtemps. Ouais, tu l'as acheté neuve. Oh le chou. Wow, wow. Ah là les gars, moi je vous le dis, là on y va juste après. 3500€ la moto, c'est vrai que ça fait cher. Mais oh ouais, en plus elle est numérotée. Elle est, regardez. Numérotée. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est une bonne moto ça. Et dessus, est-ce que t'as changé des trucs? Le pot. Vas-y, non, ta gueule. Mon dieu, il a caché le vidéo. Donc le mec il a débridé le pot, c'est ça, il a mis un pot, le moteur sinon il est tout d'origine, full origine. Il y a même un carbu de 16 que je vais montrer là maintenant. Le moteur tellement il est propre. Regardez comment il est propre, vraiment il est... En fait elle sort de concession la moto carrément. Ça fait un mois. Regardez. Un mois que t'as la moto? Ah ouais. Carbu de 16. C'est ta première moto? Ouais. Première moto franchement c'est... Pour une première moto vraiment c'est pas mal. Les jantes surtout. Les jantes sont magnifiques. Les jantes ouais. Dommage c'est les moyeux. Les moyeux de jantes? Ouais, les rouges. Ah oui ça fait un peu plastique. Regardez les gars. Ah ouais. Ça fait vraiment un peu plastique on dirait. Ouais. Mais sinon c'est... La fourche est pas mal, vraiment. Ouais, la fourche. Les disques, bah ça fait la taille de... Bah, du pied. C'est des belles motos et c'est des motos qui... Ah oui il a fait le tuning. Extrêmement à des super motos. Pourquoi? Poignée Doppler, à vrai dire. Ouais levier. Ouais levier c'est pareil. Oh, magnifique. Il est dur ton embrayage? Ouais ça va. Bah pas trop. Ouais non ça va. C'est le starter ça? Ouais. Ah c'est bien qu'ils l'ont mis là. Franchement c'est une belle moto. Ça monte à combien du coup ça là? Ouais j'ai tapé 98. 98. En full origine quand même. En full origine ouais. Carbu 16, c'est vraiment pas mal. Et au niveau de la consommation, tu consommes combien que ça? Je fais à peu près 100 km. 100 km avec un plein. Et un plein c'est combien du coup? 7,50€. 7€. C'est vraiment pas mal. Il y a combien de litres là-dedans? 6,5 litres avec la réserve. 6,5 litres avec réserve, pas mal. Ça c'est dommage.
C'est la seule chose à reprocher sur d'ailleurs, la photo, c'est dommage. Peaux, ouais. Ça crache. Ouais. Le joli clignotant qui a. Ouais, qui a il est bien. Ouais. Mais ouais, avec un pot Léo Vince. Ouais, ça Léo Vince. Bagarre la photo. Regardez. Bon, c'est vraiment léger, mais regardez, c'est bien une Léo Vince. Elle est vraiment magnifique par contre. Ouais, c'est les choses. Ouais, c'est les seules choses embêtantes, c'est qu'il y a ça. Du coup, est-ce que je peux la démarrer? Écoutez les mecs. Ah ouais. Le son est vraiment pas mal. Le son est vraiment pas mal. Le son est magnifique. Et c'est comme le Becky de Sherco, faut faire attention. Hein. Donc là, on va faire voir. Ça, là, petit truc, là. Quel petit truc? Ça. Ah oui, toi t'es chaud, mais le mec est chaud. Ah ouais, mais tu connais tout. Il connaît vraiment. Donc franchement, ça c'est des belles petites motos pour commencer. Attendez, en fait, je suis au niveau du 4, soleil. 98 en vitesse, c'est là. Bah, très clairement, pour de l'original avec un pot, c'est très clairement bien. Il y a des bons détails. Ça, tu l'as rajouté toi-même, ça? Ouais. Ok, bon, ça fait pas trop, c'est beau. Franchement, c'est une belle moto. Même ça, ça a été rajouté, c'est magnifique. Voilà. Je sais pas ce qu'on a rajouté de plus sur une petite moto comme ça. Je peux faire un aller-retour comme ça? Ok. Bon, vraiment, de l'origine, elle est vraiment pas mal. Ouais. Ah, par contre, ouais, c'est vrai que la béquille, faut vraiment. Ouais, faire gaffe. Ouais, j'ai déjà fait tomber comme ça. Ah ouais? Ouais. Jamais d'accident? Non. Bah, on espère. On l'espère pour toi. J'ai failli il y a deux jours. Il y a failli, vraiment, il y a failli. Avec les petits protèges poignets, les protèges. Attends, on va faire voir quand même. Ouais. Non, franchement, elle est belle. Voilà, ça, c'est d'origine? Ça, c'est d'origine, frérot. Ah, ça, c'est. Avec tous les clignotants qui fonctionnent, c'est pas mal. Là on a Marius, le jeune innocent. Elle envoie quand même pour de l'origine parce que ça tire à un moment, c'est pas mal. Ouais, et après elle prend dans les tours direct. Donc, ouais, du coup ce que tu vas changer sur la moto c'est quoi? Un carbu? Ouais, qu'est-ce que tu vas changer dessus? Réellement? Un petit carbu. Et je pense que l'année prochaine je vais mettre un kit. Un kit ouais. Quoi? Oh, le mec est chaud. Du coup, si vous voulez qu'il vienne nous la représenter quand il aura mis son kit, vous mettez les petits pouces bleus. Bon, on se fixe un objectif, non? Ouais, allez, 3500 pouces bleus et il viendra nous la présenter avec un kit. Franchement, c'est pas mal. S'il y a les mêmes commodos que moi, ça c'est tout pareil. D'ailleurs aussi. C'est imposant, regarde la taille. Ah oui, carrément. Il y a, y a un gros diamètre. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je sais juste que c'est incrusté dans... Ah, taillé dans la masse. Voilà, merci, taillé dans la masse. Non, vraiment, c'est des bécanes propres. Marius, tu mets combien sur cette bécane? De quoi, en note? En note sur 20. Ouais, sur 20. 20 sur 20, mec, elle est fumante. Ouais, 20 sur 20. Ouais, il manque juste un. Ouais, tout le monde 20 sur 20 parce qu'elle est magnifique, cette moto. Marius, vraiment... Du coup, vraiment, c'est pas mal. Eh, je te pousse si tu donnes... T'as quoi, du coup, en pignon? 13 à l'avant et. T'inquiète, tu vas dire. À l'arrière, je sais plus, mais je sais que je suis en 13 à l'avant. 13 à l'avant. Croché dessus, quoi, l'avion. Ah ouais, EasyJet. Non, mais regarde en vrai, le moteur il est propre. C'est. En vrai, c'est pas mal. Lucas, tes impressions sur cette moto? Moi, vraiment, ce que je kiffe vraiment de vous. Ouais, parle fort. Ouais. Dégagez. Ouais, il ouais, la fourche et vraiment les jantes. Ouais, les jantes, c'est incroyable. Juste les moyeux, tu vois, ça fait un peu plastique. Réellement, Melvin, toi aussi, t'es d'accord? Mais toi, ce qui t'a fait craquer, c'est ouais, la config, ouais. Elle est magnifique. Surtout les ouais, les petits ouais. Détails rouges, ils sont fumants. Ouais, non, vraiment. T'es revenu à peu près à combien? Ouais, il a rien changé du ouais. Coup, 3005. Avec le pot, quoi. Ouais, à part le pot et les petits leviers, quoi. Ouais. Non, en vrai, elle est pas mal, hein. Non, en vrai, ouais. Le pot, enfin, il a dû quand même coûter un peu cher, le pot. Ouais, ça va, en vrai. Ouais. 170 euros, le pot. Ouais, donc ça la va. Ligne complète, ouais. Ça va. Vraiment, pour aller t'as dû faire un réglage carbu quand t'as eu le pot. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que moi, je change pas, les mecs, parce que je sais pas faire de réglage carbu. Donc, on changera pas de pot. En vrai, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, mais bon. C'est toi qui l'as fait toi-même? Avec un pot. Ah ouais. Même, regardez, c'est propre à l'intérieur. Et même l'amortisseur blanc comme ça, ça ressort bien. Non, franchement, elle est toute belle. Toute magnifique. C'est une belle moto, ça fuit pas, c'est propre. Regardez, magnifique. Ouais, là c'est toute neuve. S'il met un petit kit dessus, elle sera pas mal en vrai. Mais je pense qu'il n'y a rien à changer. Qu'est-ce que t'en penses toi, sur 20? Ouais, elle est belle. Hein. Elle est quand même belle, hein. C'est une belle moto.
incroyablement belle. Les jantes, c'est un plus carrément. Oh mais vraiment. Ouais, c'est incroyable. Tu nous fais un petit aller-retour là toi? Allez, fais-nous écouter le bruit du moteur. Si on te propose d'échanger ça contre ton scooter. Non. Ah, c'est sentimental hein. C'est, non, c'est pas ça, c'est juste que si on me propose le Dax que j'avais. Et l'autre. Là, j'ai vu que la soie tournait. Ouais, ton Dax, ouais. Ouais, mon Dax, ça aurait fait vraiment des vues quoi. Non, elle est belle hein. Oh, la vie, oh. Non, et puis elle a l'air d'envoyer hein. Ouais, vraiment. Après, je sais pas combien il doit payer en assurance. Ah ouais, en assurance, faudra lui demander. Ouais, ça doit pas être très très cher non plus. Bah, sachant que c'est quand même une 2020, je pense. Par contre, c'est N10. Ouais. Ouais, c'est pas des moteurs Euro 3. Ouais. Non, c'est pas mal. Pas mal, hein. Pas mal. On a oublié de te demander en assurance, tu payes combien sur ça? Ouais, là, je paye 39€. 39€ d'assurance? Bon bah ça va encore. Ça va hein. En vrai ça va. Moi je suis pareil dans ces prix là. Donc du coup c'est une Euro 4 en fait entre guillemets. Ouais. Ouais donc ouais. Ouais. Ah, il est débridé de partout. Il a tout débridé quoi le collègue. Ouais carrément, bah c'est ce qu'il faut. Donc les mecs, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. À suivre Melvin sur ses réseaux, à suivre Lucas le beau gosse. Oh là, parce que lui de toute façon il va être là, il va habiter sur la chaîne bientôt. Sur ce les mecs, on se retrouve dans un jour pour une nouvelle vidéo parce que c'est Noël. Oui. Allez, sur ce les mecs, ciao.